Merci, Monsieur Catherine. Il n'y a pas d'autre candidature. Donc, Monsieur Boisoué, souhaitez-vous prendre la parole? Donc, je déclare le scrutin où nous allons passer au vote avec deux candidatures, Monsieur Catherine et Monsieur Boisoué. Donc, je vous invite à utiliser le bulletin de vote mis à votre disposition et à le placer dans l'enveloppe qui vous a été fournie. Je vous demande de déposer votre enveloppe dans l'urne qui va circuler dans la salle et de signer la feuille d'émargement qui va également circuler. Moi-même, ainsi que mes deux assesseurs, voteront en dernier. Je vous rappelle que, conformément au code électoral, n'entreront pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins ou les enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance. Donc, nous allons passer au scrutin.
Non, non, c'était 3. 1, 2 et 3. Donc, le nombre d'enveloppes est bon. Nous allons passer au dépouillement. Hein? Je vais vous donner la lecture du bulletin que je trouve, puisque le principe est que les feuilles ne circulent pas entre plusieurs mains. Ah oui, il faut peut-être noter oui, le nom des candidats. De fait, le candidat numéro 1, candidat numéro 2. Le 1, c'est M. Catherine par ordre alphabétique. M. Catherine et le 2, M. Gouazdoué. Vous êtes prêts ? Yves Gouazdoué. Yves Gouazdoué. Yves Gouazdoué. Yves Gouazdoué. Blanc. Il n'y a rien d'écrit, donc il est blanc. Blanc à nouveau. Blanc. Pascal Catherine. Blanc. Yves Gouazdoué. 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 Blanc. Yves Gouazdoué. 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 Yves Gouazdoué.
souhait. Yves Coistoué. Blanc. Yves Coistoué. Yves Coistoué. Donc, vous donnez la feuille que je la lise. Je pense qu'on a le même compte. Voilà, 26, 1. Donc, je vous donne les résultats. Monsieur Catherine, une voix. Monsieur Coistoué, 26 voix. Et les bulletins. Et 6, excusez-moi, je ne les voyais pas. 6 blancs. Donc, je déclare M. Coistoué maire de Flers. En conséquence, donc, M. Coistoué, je déclare maire de Flers et je l'invite à venir prendre la place qui lui revient. Je vais lui laisser avec beaucoup de plaisir. Bien, merci tout d'abord, monsieur le doyen, mon cher Jean-Pierre, pour avoir présidé à cette élection du nouveau maire de Flers. Ce n'est pas sans une réelle émotion que ce soir, j'écoutais égrener les votes. Je mesure naturellement, j'allais dire une fois de plus, la responsabilité relativement écrasante qui m'échoit, mais que je veux partager avec vous tous et toutes. Quelles que soient
vos sensibilités, vos points de vue, le prisme avec lequel vous voyez les choses. Je crois que notre cité a besoin d'être rassemblée. Je voudrais tout d'abord remercier les conseillers municipaux sortants. Il y en a naturellement dans cette salle, qui ont œuvré pendant 6 années pour notre cité. Et j'ai une pensée toute particulière pour mes 4 adjoints, qui, pour des raisons personnelles, ne se représentaient pas, qui ont souhaité pour autant être présents sur notre liste, mais en position non éligible. L'une d'elles, Irène, était encore ce week-end d'astreinte pour me soulager un peu. Il faut dire que j'avais monté toutes les astreintes pendant la période du confinement. Merci à Josette, qui a œuvré pour le patrimoine, qui a fait un nombre incalculable de visites d'accessibilité, de sécurité, qui a veillé sur le parc du château. Merci à Irène, la grande prêtresse de la numérotation de notre ville. Il n'y a plus un endroit où notre ville n'a pas de numéro, et c'est très très important, en particulier pour la sécurité. Lorsqu'on appelle le SAMU, on se rend compte très très vite qu'il vaut mieux avoir un numéro et un numéro sur lequel le GPS matche immédiatement. Merci à Jean, auquel je souhaite un très prompt rétablissement, pour avoir piloté les affaires sociales de la cité avec beaucoup d'humanité, de tact, de précision. Et merci à Sonia qui a piloté pendant tant et tant d'années l'ensemble du domaine scolaire, qui a très largement participé à ce que nos écoles puissent toutes réouvrir dès le mardi et en accueillant des enfants pendant 4 jours par semaine, ce qui soulage évidemment les familles. Qu'il me soit aussi permis de remercier les 2066 flériennes et flériens qui nous ont apporté leur soutien dès le premier tour, avec un score de 56,40%, plaçant ainsi la liste que j'avais l'honneur de conduire en tête sur, et très largement en tête quelquefois, sur 12 bureaux de vote, alors que la ville de Flers n'en compte que 13. Ce score très élevé, rarement acquis dans notre cité, alors même que 3 listes s'affrontent et que 3 listes ont des candidats élus au conseil municipal, c'est la reconnaissance évidemment, je le crois, du travail accompli, mais c'est aussi un espoir en l'avenir, une confiance dans l'avenir, et cet espoir et cette confiance nous obligent collectivement et m'obligent naturellement individuellement. Cet espoir en l'avenir, cette confiance en la ligne municipale tenue maintenant depuis des années, font peser sur la majorité municipale une très très grande responsabilité. Celle de conduire la ville avec prudence, mais aussi avec détermination, et ce, je le dis, dans le respect des opinions et des croyances de toutes et de tous. Je propose ce soir à l'ensemble des membres de ce nouveau conseil municipal de placer notre travail sous le signe de l'intérêt supérieur de notre ville et de notre communauté d'agglomération, afin d'écarter autant que faire se peut les postures et les polémiques si stériles et si dévalorisantes pour notre cité. Je propose à l'ensemble des membres de ce conseil municipal de placer notre travail sous le signe du temps long qui seul peut provoquer
des changements fondamentaux. Mais c'est vrai, écarte quelquefois l'envie ou la possibilité de plaire immédiatement. Le travail va être exigeant et va nécessiter une implication de tous les moments. Derrière la crise sanitaire, qui à ce stade n'est pas du tout derrière nous, se profile une crise économique et une crise sociale. Nous avons le devoir d'y faire face collectivement. Nous en avons l'ambition, nous en avons les moyens, et je suis sûr, nous en avons la détermination. La séance d'installation, naturellement, ne se prête pas à l'énumération ou à la description des politiques publiques qui ont été approuvées par les flériens. Pour autant, j'indique ce soir au Conseil que nous aurons à mettre en œuvre ces politiques publiques très rapidement, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent, pour compenser le temps de pause du confinement afin d'accompagner la relance économique. De très gros projets, très très gros projets, en matière de santé, de relance commerciale, artisanale, industrielle, en matière d'accompagnement social, de très gros projets doivent être réactivés, et le sont déjà d'ailleurs. Je vous l'ai dit, il n'y aura pas de trêve estivale à Flers, parce que nous ne pouvons pas nous permettre d'ajourner, même un temps soit peu, l'effort et l'engagement que nous devons mettre dans nos travaux. Nous devons, à mon sens, mettre en œuvre ces politiques publiques en nous appuyant, plus encore que par le passé, sur les forces vives de la cité. Je pense aux associations de toute nature. Je pense aussi au conseil de citoyens que nous créerons à l'automne sur tous les secteurs de la ville en les dotant d'un budget. Nous devons intégrer dans nos initiatives et de manière systématique une réflexion sur leur caractère durable ou non et sur leur impact environnemental. Enfin, naturellement, le sérieux prévaudra. Nous devons gérer en vérifiant de manière continue que nos décisions restent soutenables financièrement et nous permettront de respecter l'engagement qui a été pris, c'est-à-dire le maintien d'une stabilité des taux des impôts sur lesquels nous avons la main. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente installation. J'assure les flériennes et les flériens de mon entier dévouement et de mon profond attachement à mettre en œuvre avec eux et pour eux le programme qui a été approuvé massivement dans les urnes. Merci, Mesdames et Messieurs. Je vais reprendre, pas aussi brillamment que Jean-Pierre, mais je vais reprendre l'ordre jour de nos travaux. L'ordre du jour appelle donc la détermination du nombre des adjoints. Je vous propose de fixer le nombre des adjoints à 9. Jusqu'à présent, la ville de Flers comptait 8 adjoints. Je me suis rendu compte au cours du dernier mandat que ceci n'était pas suffisant. J'avais voulu tenter avec vous tous, en tout cas ceux qui étaient dans cette assemblée,
cette expérience la fois dernière au regard des compétences qui sont celles de notre communauté d'agglomération. Je me suis rendu compte à l'expérience que ceci n'était pas suffisant et qu'un certain nombre de champs, en particulier le champ de la culture, n'était pas complètement couvert sur Flers, même s'il l'était. Et je veux naturellement remercier Michel Polvet pour ses années de service, même s'il l'était par une conseillère municipale déléguée. Mais ceci ne lui confiait pas l'autorité nécessaire au regard de son correspondant direct, qui est le vice-président de l'agglomération en charge de la culture. Et je voudrais que l'un de nos axes de travail dans les années qui viennent, ce soit vraiment la culture partout et pour tous à Flers. J'ai pu aussi observer qu'en période de crise, les possibilités d'action des uns et des autres étaient, même si les conseillers municipaux se portaient naturellement volontaires pour agir, ils ne sont ni officiers d'état civil ni officiers de police judiciaire, et ça posait un certain nombre de problèmes sur l'organisation des crises. Nous avons dû malheureusement en subir deux coup sur coup, l'incendie de la mairie et puis naturellement cette épidémie de Covid-19. Je suis saisi dans une procédure que je connais bien en tant qu'ancien membre de la commission des lois, je suis saisi sur cette affaire d'un amendement. Cet amendement, je vous le livre, il est conduit par Monsieur Brisset et l'ensemble des élus de sa liste. Cet amendement vise à fixer à 8, soit autant que durant le mandat précédent, le nombre d'adjoints au maire soumis au vote du conseil municipal. Bien que la présente délibération n'indique pas le nombre d'adjoints au maire visé au mandat 2020-2026, il semblerait que ce dernier soit fixé à 9 compte tenu de la délibération 2020-3. La création du poste d'adjoint délégué à la culture ne semble toutefois pas pertinente, cette compétence étant très largement gérée par Flers Agglo. Cet amendement est tout à fait intéressant et soulève une discussion que je ne réfute en aucun cas. Pour autant, je viens de dire les raisons qui m'avaient conduit et nous avaient conduit à proposer la création d'un poste d'adjoint. J'ai un doute, mais sans doute connaissez-vous bien cette procédure, sur la recevabilité de cet amendement. En effet, l'article 21 du règlement intérieur stipule que les amendements sont recevables, c'est-à-dire soumis au vote, à la condition que les conditions suivantes soient remplies. Formulation écrite, c'est le cas. Compensation budgétaire, il n'y a pas dans l'amendement de conséquences budgétaires, tout au moins en plus. En revanche, la condition 2, absence de contradiction. Aucun terme de l'amendement ne doit se trouver en contradiction avec une disposition du rapport non amendé. J'ai un doute sur le plan juridique, je vous donne lequel, si le chiffre de 9 était apparu dans la délibération, la contradiction était évidente. Je le donne maintenant. Mais la contradiction peut-elle être apportée après ? Je n'en sais rien. Dans le doute, je ne vais pas rejeter l'amendement, mais vous demander de voter dessus. Vous avez compris que les membres de la majorité votent contre,
puisque la procédure est toute nouvelle dans ce conseil municipal, moi je l'ai pratiquée pendant des années, mais vote contre, et que les autres font naturellement ce qu'ils souhaitent. Qui est favorable à cet amendement ? Alors, je vois, peut-être faut-il décompter les procurations. Monsieur Nguyen, monsieur Brisset, madame Dufour, voix dans le fond. Madame Bergot. Et vous votez pour monsieur Jouin. D'accord. Et vous votez, et monsieur Nguyen vote pour monsieur. Bien. Très bien. Et madame Brisset pour madame Havas. Parfait. Il n'est pas adopté. Je vous interroge maintenant sur la délibération elle-même, naturellement non amendée. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc, même chose, je pense. Hein ? Ouais. Plus ? Ah, plus, monsieur Catherine, pardon. Je ne vous avais pas vu, il faut que je m'habitue. Qui est pour ? Parfait. Qui a la procuration de madame Robin-Moitry ? Monsieur Hurel, très bien, parfait. Parfait. Alors, je vais reprendre mon déroulé, parce que les choses sont normées. Si je fais des bêtises, je vais me faire disputer par la haute administration. Hop. Alors, nous allons maintenant procéder à l'élection des maires adjoints. Donc, vous avez sous les yeux leur rapport de la question 3 qui vous était adressé. Je rappelle les dispositions législatives essentielles à cette matière. Les adjoints sont élus en application de l'article 21-22-2 du CGCT. Parmi ses membres, aucun scrutin de liste à la majorité, au scrutin de liste, bien évidemment, à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Les assesseurs pleine place au conseil des maires, c'est déjà le cas, vous êtes tous les deux en place. Des listes nous sont-elles parvenues ? Une liste nous est parvenue, y a-t-il d'autres listes à soumettre à l'Assemblée ? Je n'en vois pas. Donc, une liste, l'unique liste présentée l'a été par M. Laurie Elloco, placée en tête de la dite liste et se compose comme suit. Laurie Elloco, Gaël Pioline, Soubaï Saïn, Leïla Hardy, Jacques Duperron, Dominique Armand, Bruno Asselot, Angela Presse, Jean-Pierre Hurel. Donc, monsieur le directeur des services juridiques, monsieur le directeur général adjoint sont en train de vous distribuer les bulletins qui vont vous permettre de vous prononcer. Je vous en prie. Parfait. J'ai pas d'enveloppe non plus. Si je regardais, ça irait mieux.
Oui. C'est pas agréable comme configuration. Terrible. J'espérais qu'on pourra faire autrement parce que. Ben non, on avait plus le 4 mètres carrés. Donc c'était cuit. Et dans les centres de classe. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, oui. Moi, je pense que là, ça va être suivi hein, ce soir. Il y a du monde. Il y a plein de gens qui voulaient venir. On a été beaucoup saisis de gens qui voulaient venir. Ouais. Merci. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq, dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, quinze. Un, deux, trois, quatre, cinq, vingt. Un, deux, trois, 4, 5, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 33, 33, le compte est bon. Je vous laisse noter, hein, je ne note pas moi-même. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Enveloppe vide. Ce qui doit correspondre à un blanc.
liste complète. 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 Blanc. Blanc. Liste complète. 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 Blanc. 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 Liste complète. Nombre de
Bulletin blanc 7, nombre de liste complète, les deux pointages sont concordants, 26. Monsieur Laurie Elloco, Madame Gaëlle Pioline, Monsieur Soubaï Saïn, Madame Leïla Hardy, Monsieur Jacques Duperron, Madame Dominique Armand, Monsieur Bruno Asselot, Madame Angela Presse et Monsieur Jean-Pierre Hurel sont donc élus maire adjoint de la ville de Flers avec mes félicitations. Je pense, oui. Je pense. Merci beaucoup. Bien, j'indique le rang dans l'ordre du tableau. Mon Dieu, c'est fort. Et les fonctions des uns et des autres. Premier adjoint aux finances, au personnel et au marché public, Monsieur Laurie Elloco. Deuxième adjoint au développement de la vie citoyenne, à la communication interne et externe, Madame Gaëlle Pioline. Troisième adjoint à l'attractivité commerciale et à l'événementiel, M. Soubaï Saïd. Quatrième adjoint à l'éducation, Mme Leïla Hardy. Cinquième adjoint à la vie quotidienne, à la voirie, à l'état civil et aux pièces d'identité, M. Jacques Duperron. Sixième adjoint à la culture, Madame Angela Presse. Septième adjoint aux solidarités avec un S, Monsieur Bruno Asselot. Huitième adjoint à l'habitat et au patrimoine, Madame Dominique Armand. Et neuvième adjoint au sport, à la mémoire et aux cérémonies patriotiques qui retrouvent donc son portefeuille, Monsieur Jean-Pierre Hurel. L'élection du maire et l'élection des adjoints doit être suivie au terme de l'article 1111-1-1 du Code général des collectivités par la lecture de la charte de l'élu local qui a été instaurée à la législature précédente par la commission des lois dont je faisais partie. Rassurez-vous, il n'y a pas obligation de lire l'ensemble de la charte, qui, vous l'avez vu, est copieuse. C'est un exercice très difficile que de savoir ce que l'on met à l'intérieur d'une charte. Et donc, on n'arrive jamais, croyez-en ma longue expérience, on n'arrive jamais, de ce point de vue, à contraindre le législateur. Je vous donne donc lecture des 7 points dont la lecture est obligatoire. 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat local, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le début du débat et naturellement du vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Enfin, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je considère, sauf avis contraire, que vous prenez acte de cette lecture. Un vote n'est pas nécessaire. Passer si j'y arrive à la délibération suivante. Donc la délibération suivante portant le numéro d'ordre numéro 5 prévoit les délégations que le Conseil consent au maire. J'ai volontairement réduit le volume de ce qui m'était proposé par les services. J'explique pour nos nouveaux conseillers. Le pouvoir, naturellement, dans une ville, réside dans le conseil municipal. Mais le conseil municipal peut et même doit, pour une ville comme Flers, parce que sinon nous ne fonctionnerions pas, déléguer un certain nombre d'attributions au maire, charge à lui, naturellement, d'en rendre compte de manière obligatoire au conseil municipal qui suit. Ce sont ces délégations que je vous propose ce soir de me consentir. Elles permettent en réalité de faire fonctionner au jour le jour la collectivité sans avoir à réunir de manière inopinée et j'allais dire quasi tout le temps le conseil municipal. Donc vous les avez en annexe. S'il y a des questions, je peux naturellement y répondre. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. En l'absence de demandes de prise de parole, je vous consulte. Des oppositions ? Des abstentions ? Cette délibération, qui est tout de même une délibération importante, est à Monsieur Catherine ? Vous vouliez intervenir ? Je vous en prie, vous avez la parole. Ah, d'accord, vous vous abstenez, pardonnez-moi. Très bien. Donc, une abstention. Parfait. La délibération qui suit est du même ordre, mais les textes prévoient qu'elle ne peut pas être présentée sous forme d'un tableau, mais doit faire l'objet d'une délibération séparée. Elle vise les emprunts et la trésorerie. Je vous donne un exemple. Là, il y a une quinzaine de jours, j'ai transformé un prêt à taux variable indexé sur l'Euribor en prêt à taux fixe et les marchés boursiers nous ont laissé 2 jours pour faire cette opération. Si je n'ai pas cette délégation, sous la réserve naturellement, je l'ai dit tout à l'heure, d'en rendre compte immédiatement au conseil qui suit, si je n'ai pas cette délégation, je n'ai pas de titre pour switcher entre un prêt à taux variable et un prêt à un taux fixe. Je vais y arriver. Vous avez dans la délibération, je ne vous en fais pas, je n'en inflige pas la lecture, vous avez dans la délibération l'ensemble des éléments et des butoirs qui naturellement me sont donnés. Je ne pratique jamais ces opérations seul.
En règle générale, évidemment, fais cela soit avec le maire adjoint chargé des finances, soit, si c'est l'aglo, avec le vice-président chargé des finances. Et bien entendu, je demande à l'ensemble des services, le directeur général, qui est un ancien directeur financier, et la directrice des finances, de me faire une note circonstanciée sur l'intérêt qu'il y a ou pas de pratiquer à un mouvement de ce type. Donc ne vous inquiétez pas, je ne me lève pas le matin en faisant ça au doigt mouillé. Sur cette délibération, y a-t-il des demandes de prise de parole ? Des oppositions ? Des abstentions ? Une abstention de M. Catherine. Adopté, donc, la délibération suivante. Il y a deux délibérations, en fait, sur les indemnités des élus. Une première qui porte sur l'indemnité de base et une seconde qui porte sur les majorations qui sont liées à la fois à la qualité d'ancien chef-lieu de canton et au fait que notre ville soit éligible à la DSU. Sur la première délibération, vous avez vu l'ensemble des caractéristiques. Ce qui change par rapport à la fois précédente, ce n'est pas la hauteur de l'enveloppe, ça reste identique ou quasiment identique avec quelques revalorisations liées au point d'indice. Ce qui change, c'est que la délibération est de droit pour les maires. On peut en discuter, mais nous avons fait cela en réalité à la commission des lois parce qu'il y avait des discussions sans fin, en particulier dans les petites communes avec des pressions très importantes exercées sur les maires pour qu'ils ne prennent qu'une partie de leur indemnité. Ça nous a semblé, au moment où on voit ce que les maires font en France pour affronter les grandes crises, ça nous avait semblé déjà à l'époque, et on n'avait pas cet exemple, totalement ubuesque, et compte tenu de la hauteur des sommes. Et bien entendu, aujourd'hui, je pense que ça le semble encore plus malvenu. Je ne vous lis pas la délibération naturellement, mais je vous cède la parole si quelqu'un veut la prendre. Oui, monsieur Brisset. Très bien, je vous remercie. Je vous donne quand même la raison de la création de ces trois conseillers délégués qui ne vont pas d'ailleurs augmenter l'enveloppe, puisque l'enveloppe, vous l'avez compris, est limitative. Il s'agit donc d'une répartition interne. L'enveloppe ne continue pas à augmenter naturellement. J'ai souhaité qu'on puisse avoir trois domaines qui me tiennent à cœur et qui soient confiés à une personne. Le domaine, je sais que ça vous tient à cœur aussi, le domaine de nos collaborations à l'international, c'est-à-dire de nos jumelages, même si Poundou n'a pas le statut stricto sensu d'un jumelage, et même si Charleston ne l'a pas encore. J'ai souhaité qu'une personne soit référente, à la fois pour Wunsdorf, pour Charleston, pour Poundou et pour Warminster, de telle manière qu'on intensifie notre coopération à l'international. Et peut-être serons-nous amenés dans le futur à regarder si nous ne devons pas avoir aussi un autre jumelage. Premier point. Deuxième point, je me suis aperçu, mais c'est l'expérience, et on essaye naturellement de se corriger lorsqu'on s'aperçoit que les choses ne fonctionnent pas bien. Je me suis aperçu qu'il était nécessaire qu'un élu flérien soit en charge de la politique de la ville,
de l'ANRU pour ce qui concerne la ville de Flers. C'est évidemment très important puisque même si cette compétence est une compétence aglo, la localisation pleine et entière de cette compétence est sur la ville de Flers. Il y a donc nécessité, et ça dans l'hypothèse où le vice-président n'est pas choisi, naturellement, puisque le conseil communautaire continue à exister jusqu'au second tour des élections municipales, qu'on ait quelqu'un pour s'occuper de manière précise de ces affaires-là. Enfin, et dernier point, vous avez peut-être vu qu'il y a un portefeuille très chargé, qui est celui de M. Jacques Dupéron. Il est très chargé parce qu'en fait, il est en charge de la quotidienneté. Et la quotidienneté, c'est extrêmement prenant, c'est extrêmement prégnant. Et je veux qu'on upgrade notre capacité à répondre rapidement et de manière circonstanciée et le plus efficacement possible, c'est pas neuf naturellement, à nos concitoyens. Et donc je pense que, vous avez vu le portefeuille de Jacques est quand même très très étendu, et je pense qu'il faut qu'il y ait aussi une personne qui quasi quotidiennement puisse veiller à ce que les réponses des uns et des autres, en particulier les réponses des services, soient adaptées. Je vais demander à Madame Nesrine Yanard de faire cela. Voilà ce pourquoi j'ai proposé cette nouvelle structuration. Et merci de me permettre de l'expliquer au passage. D'autres demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Je vous consulte donc, même si j'ai le résultat du vote. Des oppositions ? Des abstentions ? D'accord, merci beaucoup, M. Brisset. Abstention de M. Catherine, donc je vois. Hein. Très bien. Et donc, je considère qu'à l'exception de l'abstention de M. Catherine, il y a approbation de l'Assemblée. La deuxième délibération, c'est exactement la même chose. Simplement, il faut le passer en deux délibérations. C'est la majoration que j'indiquais tout à l'heure pour qualité d'ancien chef lieu de canton et ANRU, enfin DSU. J'imagine que le vote sera le même. Une abstention de M. Catherine. C'est cela ? M. Catherine, sur la délibération qui suit, vous vous abstenez ? Très bien. D'autres abstentions ? Je n'en vois pas. Des oppositions ? Adoptées donc. Délibération qui suit. Receveur municipal, indemnité de conseil, délibération classique. J'explique quand même en deux mots pour nos nouveaux collègues. Le maire n'a pas de chéquier, Dieu merci. Il émet soit des titres de recettes, soit des mandats. Et quand il émet un mandat, il émet en même temps les pièces justificatives qui permettent au comptable public, qui est un fonctionnaire de l'État, de payer cette dépense. C'est ce qu'on appelle la séparation des ordonnateurs et des comptables. C'est donc l'indemnité de conseil qui est due au receveur municipal que je vous propose, Monsieur Guilain Bétou, que je vous propose de verser à une quotité maximale. Y a-t-il des demandes de prise de parole, des oppositions, des abstentions? Oui, Monsieur Catherine. Abstention toujours. Je veux absolument vous donner la parole. Règlement intérieur, adoption. Nous n'avons fait que des retouches de pure forme au règlement intérieur que je vous propose d'adopter tel qu'il est aujourd'hui rédigé. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette question ? Qui n'est pas que vénielle, puisque vous voyez que, en application d'un certain nombre de choses, en particulier
du droit d'amendement, qui est un droit constitutionnel, il peut trouver à s'appliquer, puisque j'ai trouvé tout à l'heure à l'appliquer, ou plutôt à ne pas l'appliquer. Pas de problème ? Des oppositions ? Des abstentions ? Pas d'abstention, monsieur Catherine ? Non, c'est bon. Unanimité, donc, merci. Je passe à la composition des commissions, qui vous a permis, effectivement, de percer mon intention tout à l'heure, puisque vous aviez le nombre d'adjoints. Je vous propose un fonctionnement. D'abord, les commissions, c'est le vrai lieu de la vie démocratique de la collectivité. C'est là où il faut être. Le Conseil, les choses sont déjà un peu engagées. Et il est difficile de revenir en séance publique sur l'écriture de textes. La commission, c'est le lieu où les choses peuvent et doivent d'ailleurs se discuter. Nous avons, au mandat précédent, instauré cette technique de pôle qui regroupe des commissions pour éviter l'inflation des réunions extrêmement chronophages, surtout pour ceux et celles d'entre vous qui seraient conseillers communautaires. Vous verrez que à ce moment-là, ça peut se percuter. Et en fait, on a des soirées qui n'en sont pas et on n'arrive pas à caser le tout. Donc je vous propose de réinstaurer quatre pôles. Un pôle attractivité commerciale et événementielle, vie quotidienne, voirie, état civil, pièce d'identité et habitat patrimoine. Un autre pôle éducation, culture, sport, mémoire et cérémonie patriotique. Un autre pôle, développement de la vie citoyenne, communication et solidarité, au pluriel. Et enfin, un pôle, finance personnelle, marché. Et un pôle que j'ai appelé compétences non déléguées, parce que, à la vérité, ce sont des compétences qui intéressent directement le maire. Mais je me ferai un devoir de venir les exposer dans cette commission-là, plutôt qu'elle soit diluée et exposée de manière diluée dans l'ensemble des commissions. Là aussi, c'est un peu, pardonnez-moi de dire comme ça, mais c'est un peu l'expérience qui parle. On a bien vu que ce n'était pas formidable pour la démocratie interne, que ça diluait trop les choses, ou alors que ça m'obligeait à aller partout en pesant un peu sur les débats, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc on a souhaité avoir cette structuration-là. Alors, nous sommes restés sur ce qui se faisait auparavant, c'est-à-dire un maximum de 16 personnes par pôle. Vous avez bien compris que le pôle se réunit en une seule fois. Et si le pôle est composé de 3 commissions, il se réunit avec les 3 commissions en même temps. Donc, j'allais dire, à la limite, peu importe que vous soyez dans telle ou telle commission, du moment que vous êtes dans le pôle, vous voyez tout. D'accord ? Alors, je pense qu'il le sait, mais j'informe M. Catherine qu'il est de droit, puisque seul, il est de droit dans tous les pôles. Donc vous êtes de droit dans tous les pôles, que vous le souhaitiez d'ailleurs ou pas. Donc ça vous fait un sacré boulot. La petite difficulté, c'est que ça enlève une place partout. Ce qui fait que, par exemple, pour la commission attractivité commerciale et événementielle, il reste 3 places pour la majorité municipale, dont je vais vous indiquer les noms, une place pour l'opposition et une place pour M. Catherine.
Et il en va ainsi dans toutes les commissions. Ce qui signifie tout de même que, évidemment, l'opposition peut avoir, et toi d'ailleurs, avoir 3 places par pôle, dès lors qu'il y a 3 commissions. D'accord ? Je vous propose de procéder de la manière suivante. Je ne sais pas si, M. Brisset, vous avez préparé les choses avec vos colistiers. Non, mais ce n'est pas grave. Avec vos colistiers, moi, je vous propose d'indiquer les... Moi, j'ai fait la même chose avec la majorité municipale. Je vous propose de vous indiquer les noms et puis vous m'indiquerez votre proposition qui sera immédiatement adoptée. Je prends dans l'ordre. Pôle 1, attractivité commerciale et événementielle. Donc, M. Soubaï Saïn, M. Gérard Samoyot, Mme Isabelle Gilbert. Alors, vous prenez les notes. Donc, Mme Emmanuelle Bergot, très bien. Pour vie quotidienne, voirie, état civil, pièce d'identité, M. Jacques Duperron, naturellement. Madame Nesrine Yanar, évidemment. Monsieur Thierry Aubin. Et pour vous, Monsieur Brisset. Madame Catherine Havas. Très bien. Pour Habitat et Patrimoine, Madame Dominique Armand, Madame Sophie Renaudin, Monsieur Jérémy Prévost, Monsieur Richard Rioué, puisqu'il y avait 6 places. Et pour vous ? Madame Emmanuelle Bergot, à nouveau. Vous perdez une place. Vous êtes dans le même pôle. Vous êtes dans le même pôle. Mais, donc ça ne vous fait que Madame Bergot et Madame Havas. Très bien. Très bien. Moi, j'ai essayé de vous sauver une place. Hein, mais... pôle 2. Donc, dans développement de la vie citoyenne et communication, Madame Gaëlle Pioline, évidemment, Madame Lucienne Vincent, Monsieur Thierry Aubin, Madame Inès Châté, Madame Marem Ndaye, Monsieur Omar Ayad, et vous-même. Très bien. Pour les solidarités, Monsieur Bruno Asselot, Monsieur Richard Rioué, Madame Chantal Marchand, Monsieur Laurent Jumeline, Madame Isabelle Gilbert, Madame Annick Robin-Moitry, et pour vous, encore. Pôle 3. Éducation, Madame Leïla Hardy, évidemment, Madame Nesrine Yanar, Madame Yvette Le Richaume, et pour vous ? Oui. Madame Dufour. Très bien. En matière de culture, Madame Angela Presse, naturellement, Monsieur Gérard Samoyot, Madame Lucienne Vincent. Madame Dufour. Sport, mémoire, cérémonie patriotique, Monsieur Jean-Pierre Hurel, Madame Sophie Renaudin, Madame Annick Robin-Moitry, Monsieur Jacques Duperron. Toujours Madame Dufour ? Très bien. Pôle 4, finances personnelles, Monsieur Laurie Elloco, Madame Chantal Marchand, Madame Inès Châté, Monsieur Jean-Pierre Hurel, Monsieur Jérémy Prévost, Monsieur Omar Ayad, et pour vous. Très bien.
Pour les compétences non déléguées, Madame Gaëlle Pioline, Monsieur Noël Djezaïri, Monsieur Soubaï Saïn, Madame Yvette Le Richaume, Monsieur Laurent Jumeline. Très bien. Parfait. Écoutez, je prends acte de ces compositions. Je vous remercie de votre célérité. Je passe à la délibération portant le numéro d'ordre 12. Il s'agit de la commission d'appel d'offres. Comme la délibération l'indique, elle comporte des titulaires et des suppléants. En titulaire 1, 2, 3, 4, 5 et en suppléant la même chose. La loi ne l'impose en aucune manière, mais je vous propose, Monsieur Brisset, d'inclure une personne de l'opposition et dans les titulaires et dans les suppléants par souci de démocratie et de transparence. Alors, en titulaire, Madame Annick Robin-Moitry, Madame Chantal Marchand, Monsieur Jean-Pierre Hurel, Madame Yvette Le Richaume. Un seul. Un titulaire, un suppléant, pardon. Titulaire, Monsieur Brisset. Très bien. Et suppléant ? Merci. En suppléant pour la majorité, Dominique Armand, Jacques Duperron, Marem Ndaye et Thierry Aubin. Je vous propose de reconduire la même liste pour la commission des concessions, qui est l'ancienne commission des délégations de services publics. La délibération qui suit est la reprise pure et simple d'une délibération que nous avions prise en matière de coopération internationale concernant les frais de déplacement. Il n'y a été rien ajouté, rien retranché. Vous l'avez naturellement lu. J'ai souhaité qu'elle apparaisse dans le premier conseil pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure lorsque nous avons parlé des conseillers municipaux délégués. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je n'en vois pas, je vous consulte. Des oppositions, des abstentions ? Abstention de M. Catherine. S'agissant des représentations permanentes, l'association, ce qui était appelé pompeusement le G7, l'association des villes, donc Avranches, Bayeux, Coutances, Flers, Granville, Saint-Lô et Vire, donc le délégué au conseil d'administration et moi-même de droit, et je vous propose de déléguer à l'Assemblée générale M. Laurie Elocaux. Vous en êtes d'accord, M. Elocaux ? Pas d'opposition, d'abstention, de contre-proposition ? Très bien. Délibération numéro 16, représentation permanente pour au TE 61. Je vous propose, eu égard aux fonctions qui sont maintenant les siennes, comme titulaire M. Jacques Duperron et comme suppléant moi-même, et comme deuxième titulaire M. Thierry Aubin et comme suppléant TE, au regard des fonctions qui seront les siennes, Mme Nesrine Yanard. Des demandes de prise de parole, des oppositions, des abstentions ? Abstention adoptée. Sur les représentations permanentes dans les structures sociales, aux jardins ouvriers, donc là, quand il y a moins de trois, malheureusement, il n'y a pas de diversité. Aux jardins ouvriers, je vous propose Dominique Armand, Soubaï Saïn et Laïla Hardy. À l'IME Les Peupliers, Madame Renaudin. À la maison de retraite des Hauts-Vents, Madame Lucienne Vincent. À l'EHPAD Maubert, Madame Lucienne Vincent. Vous pourriez être peut-être surpris que nous n'ayons pas de représentation directe
à Jean-Baptiste Cornu. La réalité, c'est que nous n'en avions pas en direct et que très très probablement l'EHPAD Jean-Baptiste Lecornu va être intégré dans la fondation ex-Jure-le-Lièvre et que donc je ne vais pas faire des désignations alors que ça ne sert plus à rien. Ces nominations, des oppositions, des abstentions. Pas d'abstention, monsieur Catherine, là. Non. Très bien. Merci. Représentation permanente, groupement d'intérêt public, élection de 9 des 10 délégués de la ville. Là encore, pas d'obligation légale, mais je propose à monsieur Brisset que quelqu'un de sa liste le représente ou qu'il y aille lui-même. Et je fais la même proposition à monsieur Catherine. Non. Monsieur Brisset, je vous ferai bien la proposition alors d'avoir deux représentants. Hein ? Très bien. Pour la majorité, donc le maire ou son représentant, Madame Leïla Hardy, on comprend pourquoi, Monsieur Omar Ayad, Monsieur Laurent Jubline, Madame Lucienne Vincent, Madame Yvette Lerichaume, Madame Marem Ndaye, Monsieur Jean-Paul Hurel, et je complète donc la liste par Monsieur Jean-François Brisset et Madame Catherine Havas. Sur cette liste, des oppositions, des abstentions ? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Adopté. Je passe aux représentations permanentes des cantines scolaires. Je vous propose Madame Gaëlle Pioline, Madame Sophie Renaudin et Madame Nesrine Yanar. Pas d'opposition, pas d'abstention ? Adopté. Sur les représentations permanentes dans l'enseignement public. Pour Sévigné-Sévigné-Paulbert, je vous propose Madame Yvette Lerichaume. Pour Roland Victor Hugo, Monsieur Jacques Duperron. Pour Les Vallées, Monsieur Soubaï Saïd. Pour Morin-Lafontaine, Madame Nesrine Yanar. Naturellement, le maire adjoint en charge y est de droit. Pour le Collège Sévigné, je vous propose Madame Yvette Lerichaume. Pour le Collège Jean Monnet, Monsieur Omar Ayad. Et pour le Lycée Jean Guéhenno, Monsieur Laurent Jumeline. Étant entendu pour ces trois établissements-là, comme pour les autres d'ailleurs, que je me réserve le droit de m'y inviter. Pas d'opposition ? Pas d'abstention ? Il en sera donc fait ainsi. Délibération suivante, représentation permanente au CCAS, Conseil d'administration, élection des délégués. Il s'agit donc, comme vous le savez, d'un organisme mixte, paritaire. Il s'agit donc ici de désigner la moitié du conseil d'administration, qui est composé de conseillers municipaux. En réalité, il y a 5 places. Monsieur Asselot y est évidemment de droit. Il reste donc 3 places et je propose, parce que ça me semble, là aussi il n'y a pas d'obligation légale, mais ça me semble de bonne facture, que la liste emmenée par Monsieur Brisset puisse être représentée au CCAS. Pour la majorité, donc Monsieur Asselot, Madame Robin Moitry, Madame Lucienne Vincent et Monsieur Thierry Aubin. Et pour vous, Monsieur Brisset ? Très bien. Les représentations. Pardon, je n'ai pas fait voter. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Des oppositions ? Des abstentions ? Abstention de M. Catherine. Parfait.
Représentation permanente, les structures, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on appelle ça structure promotionnelle, il faudrait me changer le titre de la délibération, ça n'a pas de sens. Flash, donc proposition de Madame Angela Press et de moi-même. Université Interage, Madame Angela Press. Flair Poundou, évidemment, Madame Laurie Chaume et Madame Press. Même chose pour Warminster, auquel nous ajoutons Monsieur Eloco, et même chose pour Wunsdorf, Madame Laurie Chaume, Madame Press, Monsieur Eloco. Des demandes de prise de parole ? Des oppositions ? Des abstentions ? Abstention de Monsieur Catherine. La délibération est donc adoptée. S'agissant des représentations permanentes déléguées à la Défense, je vous propose que ce soit le maire de Flair. Des oppositions, des abstentions ? Adoptées. Correspondant sécurité routière, personne ne comprendrait que ce ne soit pas le président du Conseil national de la sécurité routière qui y soit. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Représentation à la Maison des Jeunes et de la Culture. De droit, Monsieur le maire ou son représentant qui sera Madame Press. Proposition Madame Laurie Chaume, Monsieur Gérard Samoyot et Monsieur Soubaï Saïn. Y a-t-il des questions ? Je vous consulte donc des oppositions, des abstentions. Adopté donc. Représentation à l'UNA, Bocage Orné. Proposition, compte tenu des fonctions qui sont les siennes maintenant, M. Bruno Asselot. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Les représentations permanentes. Toujours la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. C'est désignation d'un suppléant qui serait susceptible de me suppléer. Je vous propose M. Omar Ayad. Y a-t-il des demandes de parole ? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions ? Adoptées donc. Commission départementale d'aménagement commercial, désignation en sus du maire de Flair, d'un remplaçant et d'un suppléant. Je vous propose M. Soubaï Saïn, d'une part, et comme remplaçant, et de M. Laurie Eloco comme suppléant. Des oppositions ? Des abstentions ? Adoptées. Délivrance des autorisations des actes relatifs à l'occupation et à l'utilisation du sol. Délégation à Flair Aglo. Il s'agit plus que d'une délibération de pure forme. Comme vous le savez, l'ensemble de la compétence urbanisme est aujourd'hui exercée par Flair Agglomération. Il s'agit de l'ensemble de l'instruction des certificats d'urbanisme, des déclarations de travaux, des permis de construire, des permis de démolir et autres actes de cette nature qui, historiquement, et nous avons été la première agglomération de France à instruire ces différents actes et à les délivrer. C'est aujourd'hui le cas. Mais au début de chaque mandat, nous devons, je vais parler peu juridiquement, mais comme ça, tout le monde va comprendre, nous devons renvoyer la compétence à l'agglomération. C'est ce que je vous propose au travers de cette délibération. J'ai demandé qu'elle soit là aussi inscrite au premier conseil, puisque ça permet de sécuriser les actes juridiques qui sont en cours d'instruction et qui vont être délivrés dans les jours qui viennent. Et j'ai demandé que cette délivrance soit suivie de très très près pour permettre d'abord aux pétitionnaires d'avoir une réponse et ensuite, bien évidemment,
aux architectes, aux maîtres d'œuvre, aux artisans et à tout le secteur du bâtiment de pouvoir se relancer le plus rapidement possible. Y a-t-il des questions ? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions ? Adopté. J'en viens à une délibération de suspension jusqu'au 15 octobre 2020 des stationnements payants, c'est déjà le cas, rassurez-vous, j'ai anticipé, sur la base pour le coup de mes pouvoirs de police, ou plutôt des pouvoirs de police de l'ancien maire de Flers, pour être juridiquement exact. Suspension de tout droit de place et de terrasse. J'écrirai d'ailleurs en ce sens au président du conseil départemental pour qu'il puisse appuyer, ou plus exactement s'aligner sur notre mesure, puisque vous savez qu'un certain nombre de droits d'occupation du domaine public sont perçus au droit des voiries départementales par le département de l'Orne. Et donc il faut qu'on fasse qu'on recense ça pour avoir une mesure homogène sur la ville. Alors, je suis saisi d'un amendement. Je n'ai pas pris l'amendement 2020-3-1 qui voulait que l'on supprime le poste d'adjoint délégué à la culture, puisqu'il était tombé avec le vote de l'amendement précédent. Rassurez-vous, j'ai une certaine dextérité en matière d'amendement. Parce que quand on était 5 ans à la commission des lois, on sait comment ça marche. Je suis saisi d'un amendement déposé par M. Brisset et l'ensemble de ses colistiers et colistières. Sur cette délibération de numéro d'ordre 30. L'exposé des motifs est le suivant. La faible attractivité du centre-ville est un problème qui préexistait à la crise sanitaire que nous traversons. Cette dernière n'a fait que l'accentuer. La délibération 2020-30, visant à faire usage de la gratuité du stationnement comme levier de relance de l'activité commerciale, il serait cohérent, compte tenu de la préexistence à la crise du Covid-19 des difficultés précitées, d'envisager la pérennisation de la dite gratuité. Et évidemment, délibéré de l'amendement traduit ce que je viens de vous lire dans la délibération. C'est la raison pour laquelle je passe cet amendement avant de vous faire voter sur délibération. Cet amendement, au plan juridique, ne me semble pas tomber sous le coup condition d'absence de contradiction que j'évoquais tout à l'heure. En revanche, la lecture de son délibéré pourrait peut-être poser problème. Une délibération visant à examiner la pérennisation de la gratuité du stationnement et précisant ses dispositions est inscrite sans préjudice de l'application de l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal, à l'ordre du jour du premier conseil municipal suivant l'échéance des mesures temporaires susmentionnées. Je comprends cette rédaction que l'amendement vise à inscrire d'office, à l'issue de la période qui est indiquée dans la délibération, c'est-à-dire le 15 octobre 2020, une délibération au conseil municipal. Je pense que cette inscription d'office est contraire au CGCT. Donc, je vais considérer que cet amendement tombe. Ceci étant, cet amendement soulève des questions qui sont des questions importantes et je veux naturellement y répondre. Le problème de l'attractivité commerciale de toutes les villes moyennes est un problème réel. Je rappelle tout de même, et même si naturellement nous allons avoir
à aider, et je vous proposerai des mesures très prochainement, nos artisans, nos commerçants en ville, qu'ils soient du centre-ville ou qu'ils soient de la périphérie, car la périphérie a beaucoup trinqué aussi pendant cette période de Covid-19. Rappelons tout de même que nous restons, mettons Deauville de côté, mais on ne va pas se comparer avec Deauville, la ville de l'ex-Basse-Normandie qui comporte aujourd'hui le plus faible taux de magasins, de locaux commerciaux, pour être précis, vacants. Ça ne veut pas dire que tout aille bien. Il y a des grands chantiers qu'il faut lancer ou relancer. Celui de l'ex-Halo Vêtements, mais vous avez vu que, justement, les documents d'urbanisme dont je parlais tout à l'heure ont été déposés pour créer un mail à l'intérieur de l'ex-Halle aux vêtements, mail qui sera traversant puisqu'il permettra d'aller de la rue Guimolet à la rue du 6 juin ou inversement. Je verrai la semaine prochaine ou la semaine d'après les promoteurs, les réalisateurs pour caler de manière plus fine les choses puisque nous avons fléché sur cette réalisation une subvention extrêmement importante au titre du renouvellement commercial et au titre de l'opération qui a été lancée par la région Normandie, ville de la reconstruction. Il en va de même, naturellement, pour l'ancien monsieur bricolage. Je me suis positionné, nous y reviendrons en conseil municipal, d'abord en commission, naturellement, je me suis positionné pour favoriser l'implantation d'un multiplex de 5 salles, 900 fauteuils de cinéma. Évidemment, pas quelque chose qui vienne en concurrence du cinéma rue Abel-Cornu, mais c'est évidemment les gérants actuels de ce cinéma qui m'ont fait cette proposition. Ceci reste très difficile parce que la société qui vend a des prétentions, ce qui est le propre de toute vente, naturellement, mais des prétentions qui sont importantes et qui peuvent intéresser d'autres. On sera donc peut-être en situation, mais je ne le sais pas encore et je voudrais l'éviter, d'utiliser le droit que vous avez donné à la ville de Flers il y a assez peu de temps, de préempter sur un espace commercial. Enfin, naturellement, la zone d'activité concertée, dite du plan Caillon, mais pour les flériens, c'est de la Blanchardière, continue à être étudiée. Je discute actuellement, j'en discuterai jeudi prochain avec elle, je discute actuellement avec Madame le Préfet, pour essayer de simplifier et de faire accélérer l'ensemble des procédures afférentes à cette affaire absolument indispensable pour Flers et qui nous permettrait de conserver, j'allais dire, l'ensemble des hypermarchés alimentaires dans le cœur de ville et dans le cadre de l'opération cœur de ville pour éviter ce qui se passerait un jour ou l'autre. C'est peut-être dans 2 ans, c'est peut-être dans 5 ans, mais ça se passerait pour éviter une migration en périphérie que je considère comme étant péjorative et défavorable à l'essor du commerce traditionnel de Flers. S'ajouteront à ça la mise en place d'une plateforme locale dématérialisée d'achat en ligne, etc., etc. Mais je ne veux pas être trop long. Sur le stationnement en lui-même et le fond de cet amendement, ou ce que je perçois comme étant le fond de cet amendement, il n'y a pas consensus sur le fait de rendre, j'allais dire, durablement ou définitivement le stationnement non payant.
Je rappelle aux uns et aux autres, je tiens les chiffres à disposition de tous, que ce service est aujourd'hui déficitaire. Donc on ne cherche pas à faire de l'argent sur le stationnement des gens. Il est déficitaire. Si vous voulez gagner un peu d'argent, on irait immédiatement vers la mise en place d'une gratuité et on démantèlerait le service. Bon. Mais il n'y a pas de consensus. Moi, je n'ai pas de position idéologique sur une affaire de ce type-là. Je pense qu'il faut regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est la réalité qui doit l'emporter sur la posture. C'est ce que je disais tout à l'heure dans mon propos liminaire. On va voir comment on fonctionne, comment les choses fonctionnent jusqu'au 15 octobre. Ensuite, je lancerai, je veux être quand même cohérent avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que les grandes politiques publiques que nous allons mettre en place doivent être plus concertées encore que nous ne le faisions jusqu'à maintenant. Si nous créons des conseils citoyens, c'est bien pour en discuter avec eux. Parce que ça concerne les commerçants, mais ça concerne aussi les citoyens, qui peuvent être par ailleurs des consommateurs. Donc, je vous propose cela. Je ne vais pas mettre l'amendement aux voix, il serait repoussé, comme vous le savez, mais je pense qu'il est contraire au CGCT, car seule la loi peut prescrire au maire ce qu'il doit mettre à l'ordre du jour. Ou le conseil, mais dans des conditions très particulières et pas par amendement. En tout cas, merci de l'avoir déposé, permis de discuter de cette question éminemment importante. Oui, je vous en prie, monsieur Nguyen. Nous en sommes parfaitement d'accord, monsieur Nguyen. Je suis d'accord avec l'entièreté des termes de votre intervention. Sur cette délibération donc de suspension des mesures de droit de place, de domaine public, de terrasse, y compris celles qui pourraient nous parvenir, je le dis pour que ça figure, parce que je pense qu'au plan juridique, il peut y avoir un petit problème, y compris celles qui pourraient nous parvenir dans la période, qui bénéficieraient de la délibération que nous votons ce soir. Je ne voudrais pas qu'on m'oppose que les décisions sont postérieures à la délibération. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Dernière délibération, personnel communal emploi permanent, il s'agit, alors c'est un peu ça peut sembler être un rajout dans une séance extraordinaire inaugurale, je le dis extraordinaire puisque c'est la loi qui fixe la date de la séance de rentrée, on a d'ailleurs tous expérimenté que c'était la loi qui fixait la date de rentrée. Nous avons à pérenniser un poste de technicien études dans le secteur bâtiment. J'ai besoin de votre autorisation pour le faire, sinon le 2 juin, la personne arrive au bout de son contrat. Je n'ai pas juridiquement la capacité, compte tenu du fait que le contrat a déjà un an, à le renouveler pour attendre un nouveau conseil. Et donc, je vous demande de m'autoriser, et nous en avons grandement besoin, à pérenniser ce poste, qui certes est un poste Ville de Flers, mais qui sera grandement mutualisé, vous savez, dans le cadre des mouvements de capitaux que nous avons entre la Ville de Flers et Flers Agglo, qui sera grandement mutualisé avec Flers Agglo. Y a-t-il des questions ? Oui, monsieur Catherine ? Eh bien là, je pense qu'il va être embauché sous le statut de contractuel parce que si je ne vous dis pas de bêtises, la personne n'est pas titulaire du concours.
Si je dis des bêtises, monsieur le directeur ? Je dis, il va être embauché comme contractuel, et je ne peux pas le faire, donc ça sera un contrat de 3 ans, et je ne peux pas le faire sous la forme de fonctionnaire, parce que la personne n'est pas titulaire du concours. D'autres questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Mes chers collègues, l'ordre du jour est épuisé. La séance étant une séance d'installation, elle n'appelle pas de questions diverses. On me dit que l'on souhaiterait que je maintienne en place, si j'ai pu m'exprimer ainsi, les adjoints qui ont été élus. Ainsi, s'il le veut bien, que M. Nguyen, parce que nous avons des choses à signer, je pense que c'est le procès-verbal de dépouillement. Mes chers collègues, merci beaucoup de votre attention, de la grande tenue de cette séance d'installation, et je vous souhaite une excellente fin de soirée. La séance est levée.